Bonsoir et bienvenue dans notre point hebdomadaire. C'est une semaine de forte remontée pour le marché parisien qui renoue avec les 4000 points. Dans une semaine chargée en publications d'entreprises, le marché a d'abord salué les résultats semestriels de GDF Suez et la confirmation de ses objectifs, bien accueillis également les comptes de Danone et BIC. Schneider est également bien remonté à la faveur de ses bons résultats et de la confirmation du rachat du britannique Invensys. De son côté, Sanofi a manqué le rebond, sanctionné après son avertissement sur ses objectifs 2013. Et parmi les publications les plus appréciées de la semaine, celle de Société Générale, la banque a délivré des comptes trimestriels solides, bien supérieurs aux attentes et a amélioré son bilan de façon marquée. Au second trimestre, la banque a doublé son bénéfice net à 955 millions d'euros, bénéficiant des très bonnes performances de sa banque de financement et d'investissement. Dans leur ensemble, les analystes ont été rassurés par ses performances, à l'image de la Deutsche Bank qui a relevé à l'achat sa recommandation sur le titre. Des progressions plus limitées dans le secteur financier pour BNP Paribas et AXA qui ont également délivré leurs chiffres cette semaine. Voilà, c'est la fin de ce flash. Excellent week-end et on se retrouve lundi pour un nouveau point des marchés.